fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Fortuné! Madame! Oh là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Madame, comme tu as dit de faire côtelette avec agneau là, il n'y a pas aux ailes. Et puis j'ai mis beurre à la place. Oh! J'ai de faire des côtelettes de veau à l'oseille. Oui, oseille, là, il y en a, c'est beurre. Ah, là, y a ça va, tout ça, ça va. Habille ton sort. Tout de suite, là. Tout de suite, là. Dépêche-toi, hein. Oui, madame. Okay. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à ma convocation. Nous allons procéder à la lecture du testament. Mais bien avant, je voudrais me rassurer si tout le monde fait partie de la famille Koueki. Oui. D'accord. Il y a des noms qu'il a laissés sur une lettre. Excusez-moi. Oui. Fortuné. Oui. Attends mon Dieu. Pardon, vous avez dit Fortuné? Oui. C'est qui pour vous? C'est mon boy. Hein? Ah, le boy à Monsieur Pascal Koueki. Oui, c'est notre boy. Il peut rester. Hein? Ah. Il peut rester. Merci, monsieur. Merci. Bon, mon sac. Je vais procéder à la lecture. Oui. Je vais partir. Ah non, Hassan, on dit la famille, tu fais partie de la famille? C'est Hassan. Hassan, oui. Je n'ai pas son nom sur la liste. C'est mon grand-père. Oui, il ne fait pas partie de la famille Koueki. Monsieur, veuillez nous excuser. Vous, vous êtes épouse de Koueki. Oui. Mais votre grand-frère n'est pas... Hein? Enfin, j'ai là une liste que M. Koueki a laissée. Madame Koueki Léa, oui. Son épouse. Oui. Madame Dandeman, sa grande-sœur. Oui. Mm-hmm. Madame Koueki Fatou, sa mère. Oui. Monsieur Zago, mon représentant de la famille. Ah. Enfant Koueki. Ah oui, ce sont mes filles. Elles sont parties en France pour des vacances. Des filles, vous avez dit? Oh oui. Celui-là, c'est Koueki Jean-Claude. Ah, c'est moi, son représentant. C'est mon petit au moins. Regarde-moi. C'est un garçon, celui-là. Attendez, monsieur, on dirait qu'il y a une erreur. Je vous en prie. Allez-y. Cet enfant, je ne l'ai pas reconnu. Madame Koueki. Oui. J'ai eu à m'entretenir avec votre défunt époux. Et il m'a dit que cet enfant est né avant votre mariage. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, étant mariée légalement avec M. Pascal, je n'ai pas reconnu cet enfant. Mmh. Ah non? Je ne le reconnais pas aujourd'hui, je ne vais pas le reconnaître demain. Et donc c'est un enfant adultéré. Ah non, je vous en prie, madame, il n'est pas adultéré. Ah. Ah oui? S'il était né après votre mariage, il est adultéré. Vous pouvez ne pas le reconnaître. Mais il est né avant votre mariage. C'est un enfant légitime. Ceci étant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la lecture du testament. Et je tiens à vous souligner, messieurs, dames, que le testament, si vous voulez, ce sont les dernières volontés d'une personne qu'elle laisse sur papier pour la répartition de son héritage. Il est vrai que M. Pascal Koueki était marié sous le régime du bien commun. Oh oui. En principe, tout ce qu'il a eu en commun avec madame revient à sa femme et à ses enfants. Mais ici, par contre, M. Koueki a eu d'autres biens bien avant d'épouser madame Léa. Alors, ce sont ces biens qu'il partage ici. Cela est écrit par M. Koueki lui-même. Il dit ceci. Par ce testament écrit de ma propre main, moi, Koueki Pascal, décide de léguer après ma mort les biens qui m'appartiennent, biens acquis avant mon mariage, selon la répartition suivante. La résidence du quartier Grand Luxe, vous habitez, doit revenir à son fils Koueki Champion.
Oh! Je vous en prie. Ah, je vous en prie. Je continue la lecture. Il y a une erreur. Erreur où, madame? Mais c'est la villa que j'habite en ce moment. Et c'est cette villa qui doit revenir à Kouéki Jean-Claude. Vous me laissez continuer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Chef, merci. La résidence du village à ma mère, Fatou Kouéki. Oh, Fatou! La ferme avicole à ma grande sœur Tendement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sur les trois véhicules, je lègue la 4x4 à mon oncle Zago. La super salut à mon épouse Léa Kouéki. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qui la garde? Je vous en prie. Mais qu'est-ce que je fais à Pascal? Excusez-moi. Et la bâchée revient à Monsieur Fortuné, son boy. Oh. C'est pas vrai. Oh, Monsieur Pascal. Oh, oui. Monsieur Pascal. Mais celui-là, oui. Mais il ne fait pas partie de la famille Koïki. Mais ce n'est que notre boy. Mais c'est notre boy. Monsieur Pascal, lui connaît l'amour. Oh, c'est la récompense au service qu'il a rendu à la famille. Merci, monsieur. L'état civil, au nombre de 7, 2 taxis à mon épouse Léa Kouéki et les 5 autres à ma mère Fatou. Non, je ne suis pas d'accord. Les 3 villas situées à Abobo, derrière Rai, doivent revenir à mon épouse Léa Kouéki. N'importe quoi. Qui les garde. Je vous en prie, messieurs, dames. Laissez-moi terminer la réponse. Pardon. Le testament est fait à Abidjan ce jour du vendredi 25 mai 1999 en présence de Maître Bagnon Notaire, 22 boulevard des Prêtres, chargé en ce jour de l'application complète de l'acte conformément à la volonté de l'intéressé. Pascal, tu vas me payer. Mesdames et messieurs, à partir de la semaine prochaine, vous pouvez venir me voir pour que nous puissions faire les papiers et que nous donnions la position de ce qui vous revient. Quant à vous, chère madame Léa Kouéki, je tenais à vous dire ceci. Vous avez une semaine pour déménager de la villa que vous habitez parce que le nouveau propriétaire doit être en possession de son bien. Là. Ça vous remercie. Voilà, ceci étant dit. On va aller. Madame. Oui, maître. On a fini la lecture. Non, maître. Je suis morte. Je suis foutue. Il vous a laissé beaucoup de choses. Mais il ne m'a rien laissé, maître. Mais si, madame. Mais rien du tout. Mais qu'est-ce que je fais avec deux villas à Bobo, derrière Rail? Vous avez deux taxis. Maître, est-ce que vous avez vu la villa où je vis? Ça, je ne sais pas. Il m'a arraché cette villa-là. Moi qui avait le gros don dans la famille. Écoutez, madame, essayez de le comprendre. Hein. C'est testament, vous connaissez bien l'écriture de votre époux. Vous connaissez sa signature. C'est un testament. C'est sa dernière volonté. Je n'y peux rien. Hein, vous avez compris, madame? Bon. Maître. Oui. J'ai découvert ce papier-là. Qu'est-ce que c'est? Là, je crois qu'il a 2 grandes plantations. Ah, un petit dossier. Voilà. De 300 hectares. Voilà, dans sa région. Oui, écoutez, madame. Bon, est-ce que. Oui, en effet. On peut faire un échange. Échange? Comment ça? C'est-à-dire, je veux bien donner ces plantations-là à ses parents pour récupérer les 2 immeubles au plateau. Ah, c'est pas possible. Cela ne relève pas de ma compétence. C'est pas possible. Vous pouvez faire un arrangement avec les parents, hein? Un arrangement avec ses parents? Oh, bien sûr. Mais c'est pas possible. Mais c'est votre belle famille. Madame. Mais c'est des sorciers. Ah. Ils sont à la base de mes malheurs. Ah bon? Mais oui. Mais là, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne peux vraiment pas vous aider. Ce Pascal-là, oui. Je vais le poursuivre.
Je vais le poursuivre. Vous allez poursuivre Pascal? Ah non, non, je vais poursuivre ce testament-là. Ah, ce testament? Oui. Okay. Je vais poursuivre ce testament jusqu'au bout. Okay. Je vais arracher tous mes biens à ces sorciers. Non. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Non, bien sûr, surtout pas, madame. Je vous ai bien dit que vous avez une semaine pour déménager de la villa que vous habitez. Je crois plutôt que c'est vous que je vais poursuivre. Ah bon? Oui. Vous êtes complice. Ah bon? Oui. Je vais vous poursuivre. Et ça, vous entendez parler de moi. Hé! Elle poursuit tout le monde. Nandema, mais toi, tu es notre fille. Mmh. On a fini avec le petit là. Comme on va aller maintenant au village, je voudrais qu'on s'entende bien. Mmh. Parce qu'ils nous attendent pour leur rendre compte. Mmh. C'est que le petit a écrit là. Ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit là, ça c'est papier. Ça c'est la loi là-bas. On a notre coutume. Mmh. Actuellement, je suis votre père. Votre père dans le village. Mmh. C'est moi qui vous représente. Il n'y a personne à part moi. Partout où vous êtes, mon cœur avec vous. Le bien, le partage qu'il a fait là. On appelle ça diviser la famille. Mmh. Comme il a dit, dans une semaine, on va revenir. Vous-même, ce n'est pas moi qui vais parler. Vous allez lui dire, notre famille, on est soudés. Et notre seul père qui s'occupe de nous, c'est lui. Donc, c'est lui qui doit gérer tous les biens de la famille. Là, comme ça, il n'y aura pas de division. Quoi? Vous avez compris? C'est toi qui vas gérer les biens qu'on nous a donnés là. On a donné pour chacun. C'est toi qui vas gérer pour nous. Maman, je ne suis pas d'accord. Hein? Non, c'est pas tout pour moi. C'est pas tout que moi, j'écoute. Okay. Toi, tu es toujours comme ça. Je ne suis pas d'accord. Hein? Mmh. Bon. Comment tu es dans le village? Moi, je ne suis pas d'accord. C'est non, 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 non. Chacun prend son cas. Hein? Puis, on se retrouve au village. Tu regardes des gens comme ça là. Tu as vu ce qu'il est en train de faire là. Ça là, c'est pas la sorcellerie, il est en train d'amener dans ça là. Hein? Il n'a qu'à amener toujours à faire des rituels là. Ça envoie toujours pas là. C'est ça, Zagoua a commencé là. Pourquoi il va faire ça? C'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie là. S'il prend pour te tuer là. Moi-même, j'ai tué. Il va tuer qui moi? Ils ont tué parce qu'ils ne peuvent pas me tuer. Pourquoi? Vous êtes Madame Pima, Pima, la mère de Kouéki Jean-Claude. Bien. Je vous ai fait convoquer parce que M. Kouéki Jean-Claude. Avec lequel, non, non, c'est le fils, Kouéki Pascal, lègue à son fils, Kouéki Jean-Claude, une résidence au quartier Grand Luxe. Vous connaissez la villa qu'il habite au quartier Grand Luxe? Oui, oui, oui. Cette maison revient à Kouéki Jean-Claude, votre fils. À mon enfant. À son fils. Jean-Claude, vous voyez que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Bon, vous aurez la gérance jusqu'à ce que cet enfant ait la majorité. Dieu, tu n'oublies jamais tes enfants. Ah oui. Eh, monsieur. Le Seigneur est merveilleux, vous savez. Il y a un autre problème. À lequel? Vraiment, avant la mort de mon mari, je portais une grossesse de lui. Ah. Et je suis allée faire l'échographie qui démontre que je porte des jumeaux. Ah. Mais là, vraiment, je ne sais pas. Il n'en a pas parlé. Mais non. Est-ce qu'il connaissait l'existence de cette grossesse? Si, si, si. Il savait, mais mari n'a pas parlé de ça à quelqu'un. Bon, il n'en a pas parlé non plus. Mais je crois que vous pouvez vous allonger. C'est une grande villa qui laisse à son fils. Mm-hmm. Si vous la mettez à location, bon, avec ce que ça va sortir, vous pouvez vous débrouiller. Mm-hmm. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne savez pas qu'il était marié? Quoi? Monsieur? Oui? Avant que Monsieur Pascal aille se marier, il était avec moi. J'ai souffert avec lui. Oui, vous allez se voyager se marier. Écoutez, vous voyez ce que vous me dites? Vous savez, rares sont les hommes qui souffrent avec leurs femmes et puis gardent cette dernière dans le foyer. Aujourd'hui, c'est mon cas. Oui. Je suis victime de cela. Merci. Et encore, je porte une grossesse, des jumeaux au-dessus, quoi. Vous voyez un peu comment est-ce que j'ai souffert. Ah, oui. Et comment est-ce que je vais continuer de souffrir. Oh, écoutez, madame, vous n'allez pas pleurer. Du courage, du courage. Hmm? Monsieur, j'espère que après l'accouchement, je passerai ouvrir les jumeaux. À mon cabinet. Oui, monsieur. Bon. Merci, monsieur, pour votre compréhension. On attend qui pour manger là? L'entrée. Rose! L'entrée, ça vient, ça ne vient pas. Léa, qu'est-ce qui se passe? Je suis foutu. Je suis foutu. Comment? Parce qu'on m'a tout arraché. Ah bon? Il m'a tout pris. Tout, tout, tout. S'il te plaît, calme-toi. Notre résidence à San Paul.
Il a légué notre résidence à son bâtard de fils. Mais oui, même le boy fortuné, notre boy, s'en est tiré avec la bâchée qui transporte mes produits. Non, j'ai vu un cauchemar. Moi, je ne comprends plus rien. Ils se sont mariés sous la communauté de Bié. Oui, mais c'est justement ce que je vais expliquer, Alia. Mais qu'est-ce qu'il y a une explication à ça? Calme-toi, tu ne peux pas parler et pleurer en même temps. Hein? Calme-toi, je vais t'expliquer. OK? Voilà. C'est toi qui es venu me voir après avoir découvert ton petit papier parlant du testament, n'est-ce pas? Mais j'ai fait un crochet sur le notaire. Je connais bien le contenu de ce testament. Et tu ne me l'as pas dit? Oh, ça n'a pas d'importance. Je sais que les biens dont il s'agit ici ne concernent que les biens acquis par Pascal avant votre mariage. Mais je m'en fous. Je veux tout prendre. Mais ma belle. Je suis sa femme légale. Ma belle, là où est le problème? Pascal t'a légué tout ce que vous avez eu pendant le mariage. Mais non, moi je veux tout, 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 tout. Je ne peux pas tout prendre. Il y a aussi ses parents. Mais je m'en fous de ses parents. Ils n'ont qu'à aller au diable, ceux-là. Mais tu as tout ce que vous avez eu pendant votre mariage. Et je sais aussi que tous les comptes bancaires de Pascal te reviennent. Tu les as, tu peux bien te débrouiller avec. Alors, mais pourquoi te fatiguer? Il faut t'en contenter. Non, je suis désolée. Je ne peux pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais poursuivre ce notaire. Je vais poursuivre Pascal. Je vais les poursuivre jusqu'à... Je vais retirer tout. Je vais tout leur prendre jusqu'au dernier sou. Et tu sais quoi? Il m'a légué une maison, je ne sais pas, derrière le fleuve, mais derrière, je ne sais pas quoi. Moi! Ces maisons-là, si tu ne veux pas les habiter, tu peux mettre en location. Pas question! Pas question! J'ai souffert avec lui. Il a souffert avec moi. Je lui dis, je prends tout. Je veux tout prendre. Et Asante-toi, je te vois venir. Hein. Tu as toujours été contre moi. Je n'ai jamais été contre toi. Si. Tu as toujours été jaloux de moi. Mais on va régler ça après. Non, ma belle, ne dis pas ça. Non. Écoute, ça va. Attends, calme. Je m'en vais. Non. Je pense qu'on va manger. Manger quoi? Je m'en vais. Laisse-la. Tu as vu ces histoires de belle famille? Quand ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne va pas, voilà. C'est comme ça, ça termine. C'est pour ça que je t'ai dit de toujours faire très attention. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien. Rien. Est-ce que je ne m'occupe pas bien de ta famille? Je ne suis pas bien avec eux. Bah, écoute, à moi, je Écoute-moi, je n'aime pas ça. Si ça se fait un peu trop, c'est pas de ma faute. Bon, on mange, enfin. Rose! Je commence à voir. On mange ou on ne mange pas? Tant que ça arrive. Parce qu'à chaque fois qu'il a des problèmes avec sa soeur, il fait tout ça pour mettre sa soeur. Moi, je n'aime pas ça, un garantie. Passe à l'eau. Et... Hey, Léa, passe à Yon. Moi-même, je voulais te dire, Léa, là, c'est pas une bonne femme. J'ai décidé, moi-même, hein, c'est pas toi, hein. J'ai décidé de ne plus marcher avec elle. Parce que toutes les conneries qu'elle fait là, ça me plaît pas. Hey, passe à Yon. Ah, ça, c'est quand tu étais plus jeune, là. Hé, hey, Marie Karateka. Bon, je te fais à manger, passe à Yon. Même si on va devant le chef du village, je dis non aujourd'hui, je dis non demain, je dis non tous les jours à votre. Tu vas te parler! Tais-toi, oh! C'est moi le responsable de la famille. L'héritage de Pascal, il doit être respecté. Et pour cela, il faut le chef de famille pour le gérer. Oh! L'héritage. Tu parles comme si. Tu parles comme si Pascal n'était rien. Il faut respecter sa mémoire! Ah! On doit respecter la mémoire de Pascal. Comment? On doit respecter la mémoire de Pascal. Hein? C'est pour cela que toi, tu dois laisser nos biens que Pascal nous a donnés. Tu as compris? Au lieu de chercher à te marier, tu parles d'héritage. Pas tout. Et toi? Elle en train de parler. Est-ce que tu l'écoutes? Hein? Moi, je vais dire quoi, Zago? Qu'est-ce que moi j'ai à dire dans cette maison? Moi, je vais aller au village. Dans demain.
Moi, je m'en vais. Allez-y au village. Moi, tu n'es pas marié. Tant que cette Léa n'a pas quitté la maison, moi, ça va, je n'irai pas au village. J'attends d'abord. Toi, depuis que ta femme est morte, tu t'es marié. Regarde-moi, on dirait que tu attendais l'héritage de Pascal. Mais c'est qu'on verra. Regardez.